Ça c'est 14 mars 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous prenons parler causer insécurité dans la nouvelle là. Dans Titan, bagaille pas bon du tout. Si autorité yo pas levé campé, pit après la pitrice. Et puis dans la Tibonite, ça vient, nan yo a frappé Pired. Matin là, yo levé plus passé yon trentaine missionnaires. Moun qui t'a le fait jeune, s'entendez ya. Lixon pas réfléchi, rentré à moun sa yo en dans baza. Et pourquoi il est là? Yo déjà contacté par yo pour capable verser yon quantité somme là. Pour libérer Mounsayo. Gagné yon embuscade qui était monté dans la zone Liankou. Plusieurs bandits dans la gang sa vie tombé en bas. Mais population et yon commencé à prendre revanche sous neg bandits sa yo. Kap simé la pli et le beau temps. Nouvelle yon pas bon du tout, mais pour l'instant, rete là. Nous pour aller avec correspondant yon Radio Mega qui t'a parlé sous dossier ça directement dans la zone Lafito Canaran. Bagay yon dégénéré et ensuite nous pour aller rentrer dans la Tibonite. Avec dernière information yo. Sous vos confessions, j'ai connecté ensemble avec Sofia TV 83. N'a pas venu à tout détail concernant information qui a passé sous bouton papa de Saline. Après plus passé 4 jours, situation toujours été magomée dans la 9e section communale Cabaret, plus précisément dans la localité Titanien. Après Nelaxam, fin blessé policier Udmo et Didier Rivière, dimanche là, et puis il a été fait tentative pour bouler et blender que il a et bien Nek armé dans zone ça yo boulé rapide kay policier Migens charité dans Titanien hier lundi 13 mars 2023. Donc selon ça policier 22e promotion fin konnen groupe nèg armé dans zone ça yo longe dwèt sou li sous prétexte li te pote assistance bay policier qui était en difficulté dimanche passé et puis qui te permettre tout prendre refuge la caille et face avec et situation ça hier lundi en juin de dia transport public était complètement et paralysé et puis l'école dans zone là était obligé et fermer porte à cause coup de balle t'ai fait toute journée à tirer dans zone là et puis Blaise faut nous signaler pour auditoire mégao et depuis 7 octobre 2023 9e section communale la laine prend et Titanien, Simonette, Lafito, zone sa yo tombe directement en bas contrôle Nelaxam, qui te fait un massacre dans zone sous matelas, dans la nuit 29 pour 20 mercredi 30 novembre 2021. Côté yon 15 moun te mouri, plusieurs lot te blessé avec 15 ka te boulé. Pascal. Oui, Blaise. Oui, Kounia, en nous gardant concernant la situation hier, qui t'est arrivé là, côté situation très compliquée, mais finalement, ça t'est fini par arriver, et si Negio, yo-même, t'es piqué d'ifé, la caille policier, ça se dit là, est-ce que policier, ça lui-même, pas sorti victime, est-ce que gagne un policier qui sorti victime, est-ce que gagne bandit qui t'a sorti victime dans la situation, ça t'est gagné ailleurs? Donc faut nous dire Blaise policier Migens charité donc yo boulé Kaili et heureusement lui même avec famille yo pas victime nan et attaque ça mais policier ça c'est un moun et nan Titanien en plus il était cantonné nan petit poste contrôle que et nèg exam té boulé avant que te fait attaque sous prison et civil mesdames yo nan Titanien le policier était porté le renfort l'autre Andy Bacop était porté le renfort dans situation que il était trouvé là lui-même. Oui, oui, depuis hier, était une opération qui t'a mené dans la zone, donc c'est grâce avec vigilance, la police qui fait que lui-même ensemble avec famille, il y a pas de victimes, mais c'était une zone qui était tellement mouvementé, Jean Kune se dit hier. Donc, situation est complètement difficile sur national numéro 1. Donc, qui vient beaucoup plus compliqué chaque jour qui a passé. Kounia, on a regardé ça, puisque lundi, samedi, 11 mars, la situation était très compliquée pour prison civile, mesdames, dans le cabaret. Et c'est vrai, policiers qui étaient sous poste, yo même tout, yo t'a échangé avec présumé bandit pour empêcher que yo commette des gars que t'es commettre là. Kounia, comment ça est dans le périmètre de la prison civile là, mesdames, yo, dans le cabaret, est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour renforcer la présence policière dans le périmètre là?
Donc oui, la police est beaucoup plus présente au niveau et titanien, plus précisément et dans périmètre prison. Hein. Donc tu gagnes renfort qui devine qui t'est et cause que tu repousser action mais à Messao. Bon, depuis et samedi hein, donc prison civile mesdames, il est complètement et sous contrôle dans zone titanien mais et Blaise pas pour autant que zone là toujours gain mouvement, toujours gain cartouche capturé. Faut que nous signaler pour auditoire Mega, c'est depuis vendredi, donc situation ça, et la taille bandane au niveau 9e section communale là. Nous connaissons que, on dit, espace ça, yo souvent connecté, section communale ça, yo, zone curriculée ça, yo, ça, c'est connecté avec cette ville, yo. Est-ce que nous avons dit que situation ça, qui régnait depuis vendredi à, dans 9e section, sur ce dia là, est-ce que nous avons dit que li, y a un impact sur, on dit, ville cabaret, ou bien ville arcaïe, ou bien bon parti, non, collectivité et territoriale, si d'ailleurs. Blaise, c'est pas cabaret uniquement situation ça qu'a développé dans 9e section communale là, il y a un impact directement sur tout Grand Nord parce que ça la cause de déjà machine yo, c'était dans misère pour que t'es passé. Bon finalement transport en commun, il est complètement paralysé sur national là. Bon, debout national là bouché, depuis les canarin, les titan yo, il y a fait causer dans zone là. Donc ça la cause machine qu'a sorti et Saint-Marc au Cap et puis à Caye, donc obligé pas capable de traverser zone là. Non quelqu'un toi aller net appel pour de monde qui était capable à peine connecter radio là journal à un moment on tire appel sur ça que t'es gagné hier par rapport avec comportement andi et bandio une contre policier ici là on tire appel sur information ça. Donc c'est Kaye policier 22e promotion Magens charité que nèg exam nan niveau et titanien mette dit fait hier. Donc et Kaye policier ça boulé rapide li pa sauvé rien et puis situation li rete mangonmé nan niveau 9e section communale la côté et zam t'ap tiré pendant toute journée hier lundi an qui était la cause et circulation était complètement paralysée et en plus porte l'école yo t'est obligé fermé dans zone et 9e section communale là. Bonjour Vince, comment nous est? Bonjour directeur Frickson Laurier, bonjour à tout auditeur qui est sur Radio Télépyramide, qui vous suit le journal Tambou, tout vérité pour matin. C'est toujours un plaisir à chaque fois qu'il y a une opportunité pour nous partager comme information à côté de là. Soit gagné comme information sur des chandeliers, monsieur Gangri Savio fait sur chandelier soir. On nous dit que c'était toute une panique totale tout au long des hier là. Dans le premier moment, monsieur, depuis 5h du matin, il était occupé zone Mont-Rouillancourt, côté où fait plusieurs kidnappings. Par kidnapping, ça a un groupe missionnaire qui était venu pour venir prêcher sous zone là. Monsieur kidnappé, tout missionnaire, ça a eu rentré dans la base Akio. Eh bien, l'hôpital, d'après les environs midi, pral, une heure, la table a changé. Dans la zone de Pontapion et Pontapion sont toujours sous commune Lyoncourt. Monsieur Tabral fait braquage dans la zone de pour te braquer. C'était 4 monsieur Basgan, monsieur qui est débarqué sous zone ça, qui tabral jeune. Faut réplique avec le groupe qui a fait résistance à qui dans la zone Chandelle. Et bien c'est ça qui tabral permettre aux environs une heure. Dans l'après-midi, M. Tabral fait appel avec l'autre groupe bandit qui était dans la base qui part sorti pour devenir un renfort à Kyo. Il est 2h, 3h après-midi, un peu coup de balle qui marionnait sous zone là, qui la cause pour au moins 5 personnes dans la mi-temps pour la population civile là, blessée, avec balle, gagné c'est dans le projet de recevoir balle, gagné c'est dans le pied, qui a recevoir balle pour y aller prendre soin, qui a testé. Dans l'hôpital qui prépare une part. Mais l'information qui est plus importante, population, et des concerts avec la police, et pendant ensemble, descend des lieux qui ont dit qu'ils étaient faits sous zone-là, c'est l'information qui est descend soldats, ceux dans la griffe, amis, et le gagnant de groupe qui viennent en renfort à Kyo, soit qui tout si, et vient de réfugier sous la Tibonite dans le dernier jour pour continuer à faire exaction sur la population. Il y a plusieurs là-dedans qui touchaient par balle et même mourir pour aller dans Basio. Ça vient dans le détail de réduction, directeur Frickson Corrigus, je suis tellement sensible de Basio. Et toutefois, qui a la bataille, si il y a un soldat qui tombait, il ne faut pas avoir une possibilité même, parce qu'il y a pris tout terrain et tout.
jusqu'à ce que vous puissiez récupérer le cadavre là pour rentrer dans la base de la paix. La performée dans le jardin, côté monsieur franchi pour aller avec le cadavre et habitants ont remarqué un pile sang dans une zone. Ça, à clair que monsieur Guérin et plusieurs sous-bras pour rentrer dans la base. Et passion, monsieur, après, ensemble des paniques qui est aussi, mais sous zone là, Tevin Gen Chablendi a Tevin fait face avec monsieur tout, et qui atteint plusieurs là-dedans, et monsieur Tapkal courir pour te replier dans la base, et pour te aller en pile tête bête que paysan a gagné, tant cheval, à bœuf, à petit, monsieur Prayo, c'est l'information que je vais vous informer, monsieur Prayo, plus qu'il y a une centaine et bête qui était la plus localité qui entourait et Chandel, sous commune Verrette, ensemble des bêtes ils ont fait dispatcher entre plusieurs groupes. Donc, vous parlez ça pour une quantité, vous savez pour une quantité, et tout ailleurs, vous parlez la dernière annonce aux environs 7 heures, monsieur est déplacé avec Chine, c'est ensemble des bœufs, cabrites, à cheval qui ont été gagnés, ont été quittés sous zone de la caisse, parce que c'est là qu'ils ont traversé, et bien c'est là qu'ils ont été fait rencontre pour faire. Et invasion ou bien représailles qui ont été faites hier sous zone Chanel là, et bien aux environs 7h04 hier soir, ils ont été pris ensemble de l'autre bête qui était cause un pile suspense, parce que les messieurs passent pour un pile monde, c'est à la Chanel que tu as pris aller maintenant, ils ne pas privé Chanel malgré le monde dans la commune, dans la zone Mourou, tu es remarqué, pile et son coup de balle hier soir qui était rendu, qui ont été paniqué en pile et des cœurs frises. Ok, nous, temps, mais qu'on est. Côté monsieur vous passez pour Alchandel parce que vous pas passé par route habituelle, vous qu'on passé sorti ça vient traverser fleuve là pour aller l'encour et vous pas passé par rivière pour faire canot pour aller sur Paparimoremont pour venir sur route Verrette, vous venez directement Chandel et côté vous passé me connais que pas gain possibilité pour utiliser véhicule machine. Vous êtes arrivé dans la zone ça, côté au passé pour arriver Chandel. Pendant la journée hier, les messieurs causés ont un panique total pour capable bouiller l'ensemble des puissions, même pour capable opérer plus facile. Parce qu'ils étaient dans plusieurs endroits en même temps. Ailleurs, pendant que messieurs ont opéré. Il y a gagné des machines, il y a un RAV4 avec un Rodeo blanc qui était fait direction canot. Et monsieur Rivé en l'air, il a fait un petit coup de balle chanté. Passons pour qu'on détourner plus pêcher plein de qui en l'air à descendre. Et bien, l'autre groupe, lui-même, après la direction, on est dans ma caisse, il est parti depuis sous zone Ségu, il est rentré sous un dent pour vivre sous ma caisse. Et bien, il a traversé et rivière avec une bicyclette. Et puis, il est venu sortir dans zone qui est l'Ilette, en dedans Bastrac, et toujours sous commune Lyoncou, et qui vient bah, faciliter pour venir sortir sous Pont-Apion. Et bien, c'est ça qui va le permettre qu'il y ait accès avec ensemble exact. D'accord, merci à Pilven, c'est n'a continuer ensemble bousquer information yo pour nous connaître qui quantité et soldat monsieur Basgan qui fait perdu. Donc là c'est espoir qui gagne bon côté population qui commence à réveiller puisque Simon Chandelfel gagne l'autre monde l'autre zone yo qui capable peut-être réveiller tout et empêcher que monsieur sorti pour continuer à payer Simédei dans la population. Nous remercions un peu le Vence de signer notre information, nous avons toujours contacté pour nous capables de confronter l'information ensemble. Le directeur, pas de problème, a toujours été disponible pour l'équipe radio Pyramide. Merci beaucoup. Nous sommes parlé avec les collaborateurs nous et Vanessa Désir qui est. Qui lui-même a pu diriger, Vince Flash Promo qui a pu bailler un pile d'informations sur ce qui a passé dans la base, surtout dans la Tibonite là avec Théoris Savio qui pas jamais chômé un jour. On dit depuis après événement 25 janvier, yo, côté monsieur Basgangu Savio t'a touillé 6 policiers depuis jour ça monsieur reprend force monsieur pas jamais passé un jour pour pas sortir aller opérer dans mitan population fon dit que monsieur gagné en pile moun nan meyo nan base grand Gustave Savien et chaque fois yo libéré quelques là dedans yo et ben yo sorti
sous Liancou, il y a prend l'autre monde. Donc hier matin, monsieur prend un latrier missionnaire qui t'a fait une tournée missionnaire dans la zone Kouamouro. Eh bien, monsieur prend tout missionnaire, femme tant que garçon, qui t'a prêché, qui t'a chanté, qui t'a célébré sur route là. Eh bien, monsieur prend, il est rentré avec tout net en dedans base de Savien. On a remarqué que monsieur a gagné quelques grands mouns qui ont libéré au compte-goutte, parmi les mouns libérés. Eh bien, on a remarqué pendant le week-end, monsieur a été libéré deux personnages, un grand moun femme qui n'a pas même été capable de marcher, qui peut-être t'a gagné entre 80 ou quelques années en plus. Et il t'a expliqué qu'il a fait plusieurs jours, il n'a pas jamais mangé, il a maltraité, jusqu'à ce que parents et famille aient baillé l'argent pour libérer. Donc c'est un paquet de monde, monsieur Guéant, dans mais on ça vient. Côté, il a maltraité, il n'a pas baillé manger, il a battu. On a pour capable de forcer les familles pour venir porter l'argent avant de libérer. Et monsieur dame ça, il a divisé en deux parties. Il y a une partie qui sous contrôle la notre op, dans le cas que M. Guéant est dans le temps et jardin. Et puis il y a une grosse partie qui est dans Luxon et là, qui les mêmes bases qui logeaient toutes théories ça vient en dedans. Donc malheureusement, malgré tout le monde qui est rassemblé en seul côté que monsieur kidnappé, autorité n'a pas jamais fait rien pour capable empêcher que monsieur continue prendre monde à renforcer quantité monde gagné qui en bas mais en dedans, base à Gangrifa, ça vient. Donc, c'est une situation qui est très difficile. Pour le moment, situation déjà calme dans la zone Liancourt, dans la zone Chandelle, côté hier au soir, monsieur Yo, t'es à la théoriser population. Et heureusement, gagné quelques citoyens qui étaient en fait face à eux, qui étaient empêchés et à la faire plus victime dans la zone, malgré gagné la dayo, qui blessé, mais monsieur Basse Gangrif Savien, même tout, il y a victime de difficile, Jean, collaborateur non, Venez Désir sorti expliquer là pour que nous capables de connaître qui quantité. Victime monsieur gagne dans mitayo parce que monsieur Sayo yo toujours allé avec soit cadavre ou bien blessé qui gagne dans mitayo là elle fait opération n'a quitté dossier Balatibonite là en question insécurité nous pral dans pays Canada côté ailleurs gagne premier ministre canadien Justin Trudeau qui était participé à une assemblée qui était faite dans le quartier Saint-Michel dans Montréal quand il était gagné plusieurs haïtiens qui étaient là et il était parlé sous situation insécurité qui gagne dans le pays d'après Justin Trudeau c'est plus sanctions pour l'autre pays et les États-Unis et puis pays européens t'a metté sous élite haïtienne qui a payé bailler bandi aux âmes pour continuer terroriser population haïtienne et il fait connaître que n'est pas facile pour gagner solution qui sorti à l'étranger pour venir résoudre problème là c'est haïtien eux-mêmes qui t'a dû entendre yo pour y résoudre problème de sécurité à un côté en bout de la déclaration Justin Trudeau qui est premier ministre canadien. Je pense que la clé des choses c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structure réelle
pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y arriver. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer les leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager des partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir. Ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça ne marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que des pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. Voilà, on a écouté la déclaration du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui fait connaître qu'il y a gagné une quinzaine d'hommes d'affaires, élites haïtiennes, politiciens, qu'ils ont sanctionné déjà. Mais li, parce que ça pas suffit, il faut que pays États-Unis, pays européens, en particulier la France, t'a emboîté le pas. On gens pour capable limiter accès à l'argent que M. Elite Sayo, qui a pris ZAM, et de quartier populaire, yo, pour capable de terroriser la population. On gens pour protéger bien, yo, protéger hégémonie qui ont gagné sous population et gagné leader politique eux-mêmes qui voulaient conserver le pouvoir yo, et ont pas jamais voulu gagner une autre classe politique surtout jeune qui émergé dans pays là, c'est retirer eux-mêmes, mettre eux-mêmes, même si ont gagné 80 années, il a tremblé ou pas capable encore, ils ont laissé eux-mêmes seulement qui pourra gagner pouvoir pour diriger pays là, ils ont pas voulu jeune émerger. Donc Justin Trudeau et fait connaître que la solution n'est pas capable de sortir seulement bon côté pays Canada, il faut l'autre pays, mettez maintenant pas de là, et lui préciser que c'est l'élite haïtienne, lui-même, qui a acheté des âmes, gros âmes, fin de fois, pour bailler à Nega Sapata, qui peut-être pas gagné, et l'esprit yo, qui allait plus loin que plat pied, qui comprennent que son bon bagaille pour eux, les prennent armes pour tuer propre frère, propre famille, et qui dans même classe sociale avec eux, qui dans même situation difficile avec eux. Donc Justin Trudeau dit qu'il n'est pas capable de sortir, solution pas capable de sortir à l'extérieur. D'abord, il faut qu'il sorte bon côté citoyen eux-mêmes qui pour mettre main en patelin pour résoudre le problème.